Salut à tous les gones, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler, on va faire, vu que c'est l'année, l'histoire de l'OL spécial 70 ans où ils ont sorti leur nouveau maillot collection et tout, bah on va, j'ai une nouvelle rubrique, on va parler de l'OL, de l'année 1999-2001. Alors en février 1999, le groupe Pathé est devenu actionnaire du club. Le recrutement est ambitieux avec les arrivées de Pierre Lègue, de Tony Vérel et de Sonny Anderson. L'homme de la saison, sans plus tarder, c'est Sonny Anderson. Sonny Anderson, en 1999-2001, avec 161 matchs et 28 buts. Alors, le match de la saison, c'est OL Montpellier. L'OL n'a qu'un seul objectif, ne pas perdre. Tout autre qu'une défaite propulserait l'OL en tour préliminaire de la Ligue des Champions pour la première fois. La saison a été difficile après une élimination estivale douloureuse face à Maribor. L'OL a eu des bons résultats pour prendre la tête de la division 1 et quelques performances catastrophiques contre Brême, Nantes, Caen et d'autres clubs. À Montpellier, l'OL a un statut à tenir depuis l'arrivée du nouvel actionnaire Pathé, celui du club qui pourrait être le prochain à dominer le football français en obtenant un match nul 2-2 grâce à Sonny Anderson et Pierre Lègue. L'OL rassure ses dirigeants et ses supporters. L'OL est en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Hop, on passe. Alors, là, je vais vous faire un récapitulatif. Bon, la saison 1999-2000 en chiffres, division 1, 3e sur 18 avec 56 points en 34 matchs. Coupe de France, élimination en quart de finale contre l'AS Monaco. Coupe de la Ligue, élimination en quart de finale contre Bastia. Ligue des Champions, élimination en tour préliminaire par Maribor en août. Et après, à la fin, comme je vous ai dit, le match capital Lyon-Montpellier s'est déroulé à la fin de la saison, et ils se sont qualifiés pour le tour préliminaire. Voilà. Coupe UEFA, élimination en 16e de finale contre le Werder Brême, et le meilleur buteur, c'est Sonny Anderson avec 28 buts. Et le meilleur passeur, c'est Dorasso, 15 passes décisives. Donc du coup, j'ai fait le tour. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur l'année 1999-2000. Demain, on se retrouve pour... ou cet après-midi, on verra si j'ai le temps. On se retrouvera pour une nouvelle saison. Voilà, on a fait le tour, j'espère que la vidéo vous aurez bien aimé. Allez, ciao les gars.